Family. On les accueille à la maison pour le week-end. On va vous préparer des petites vidéos bien sympas. Bon, ça va, ça a été la route, vous êtes pas trop fatigués? Ça va. Ça a été. Bon, hâte de faire un gros dodo quand même. Ouais, c'est ça. Donc là, on va tous aller se coucher pour se retrouver demain matin. Cody, ouais, tu expliques par contre, explique quand même aux amis qu'est-ce qui se passe la nuit. Bah, la nuit en fait, ils font des bêtises et du coup, tous les matins. Bah, qui fait des bêtises? Bah, les lutins. Hein? Mais ils savent pas qu'on a des lutins en fait, donc tu leur expliques, Cody. En fait, regardez, ces lutins, ouais, et ben ils font des bêtises tous les matins. Alors lui, il s'appelle Coquino. Et elle, Coquinette, c'est sa sœur. D'accord. C'est qui fait plus de bêtises? Coquinou, bon, donc faut qu'on se méfie de ma matin, quoi. C'est ça le problème, d'ailleurs on a écrit au Père Noël là il y a deux jours. Parce que en fait, à chaque fois qu'on se réveille le matin, il y a des bêtises. Sauf que des fois c'est des bêtises un peu casse-pieds, quoi. Ils mettent de la farine partout, ils cuisinent avec du chocolat mais ils en mettent partout. Ils scotchent sa sœur au mur, c'est un peu du n'importe quoi ces lutins. Donc on a écrit au Père Noël en lui demandant qu'il intervienne, qu'il fasse quelque chose. Mais on attend toujours. On va aller se coucher, puis on verra demain matin. Hein. Mais bon, voilà. Allez. On va les laisser vraiment là. Voilà, on va les laisser là, comme ça on verra ce qu'ils font. Arrêtez de faire des bêtises. Allez, nous on va se coucher. Allez, tout le monde là-haut, au dodo. Au dodo. Allez. Bon, alors voilà, on est tous réveillés. Vous avez bien dormi tout le monde? Oui, super. Bon, ça fait du bien, une grosse nuit. Donc là, on va descendre tous ensemble. On va aller voir s'il y a des bêtises. Allez, des lutins. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé en bas? Franchement, je pense pas beaucoup. J'espère que Père Noël il a agi. Il s'est fait attacher. Quoi? Voilà. Hein? Éteint. C'est quoi ça? Regardez. Quoi? Wesh. Coquinette. Pourquoi de base, ils restent pas comme ça? Coquinou et Coquinette, ils se sont transformés, Cody? Non mais non, c'est quoi ce délire? Non mais attendez, parce qu'on avait demandé au Père Noël de les reprendre. Non mais il y a plus nos petits lutins. On avait demandé au Père Noël de les reprendre. Regarde, tu bouges les yeux. Mais oui. Oh non. Mais ils sont en vrai. Hein? Il a pas compris le Père Noël. Faut peut-être défaire Coquinette, non? Faut pas laisser Coquinette comme ça. Nous on avait demandé au Père Noël de les reprendre. Pas... les rendre réels. Mais je crois qu'ils ont un petit souci tous les deux entre frères et sœurs, parce que ils sont tout le temps en train de s'embêter en fait. Regarde ce qu'il a fait là. Ah bah déjà Coquinette. Elle... Ok, il s'est pas réveillé. Ah d'accord, bon déjà alors Coquinette elle se venge. Ah oui, bah oui, forcément sa sœur elle se venge. Hein. Ah bah bien. Tu m'étonnes. Et Coquinette, viens la folle. Oh là, oh là. Regardez la folle. Ok, rien compris à ce qu'on lui demandait. Pourtant, on a été clair dans notre lettre. Ils vont se friter entre frères et sœurs maintenant. Ben, j'ai l'impression qu'en fait, ils ont un conflit entre frères et sœurs. Coquinette, ça suffit, Coquinette. Hein. Il va falloir écrire au Père Noël, je pense, parce que j'ai un peu peur que ça finisse en bagarre de frères et sœurs, cette histoire. Ouais, je crois que ça va partir. Ouais, j'ai un peu l'impression que... En fait, oui, j'ai compris. Quand il y en a un qui fait une bêtise, l'autre il prend la relève. Ouais, c'est ça en fait. Coquinou, écoute-moi, Coquinou. Alors, je sais que là vous êtes à 1-1. Là vous êtes à 1-1. Ça sert à rien d'aller plus loin avec Coquinette. On va appeler le Père Noël et il va venir vous rechercher. Parce que là, c'est un peu n'importe quoi depuis que vous êtes chez nous. Pourquoi d'ailleurs, depuis que vous êtes chez nous, vous faites n'importe quoi?
Je suis pas sûre que ce soit ça le but des lutins. Il est au courant le Père Noël de ce que vous faites? Mais normalement les lutins ça prépare les cadeaux. Mais oui. Non mais là je suis sûre que c'est des lutins un peu bizarres. Oh là, regarde. Mais il va où? Il va où? Il le prend par le cou. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah mais qu'est-ce qu'il fait? Il lui met la tête sous l'eau. Oh là là. La tête sous l'eau en fait, et il faut se calmer là. D'accord. Mais il y a un torchon quand même, suis-le. Tiens, fais-le, ouais, il y a toujours en fait une vengeance entre eux en fait. On va appeler le Père Noël parce que vous savez quoi, faudrait qu'on les mette tous les deux. Oh, par contre, tu vas pas t'en prendre à moi, coquinette, hein. Parce que moi, je t'ai rien fait. Non, mais c'est quoi ça? Oh, qu'est-ce qu'il veut faire avec la pomme? Ok. Bon, non, alors écoutez-moi. Je pense qu'il faut qu'on appelle le Père Noël. Y a personne qui a le numéro du Père Noël ici? Sérieux? Alors, bah appelle-le. Parce que on a écrit une lettre, mais je pense qu'il a pas compris en fait. Je pense qu'il a pas compris. Bon, faut appeler le Père Noël tout de suite. Bon, Val, appelle le Père Noël parce que je pense qu'en fait il a pas du tout compris ce qu'on lui demandait dans la lettre en fait. C'est. Oui, bonjour monsieur le Père Noël. Excusez-nous, on a un petit souci parce que vous avez livré des lutins à la Code History. Oui, tout à fait madame. Mais en fait, ils ne font que des bêtises. Oh, oh, oh. Je suis sûr que vous avez eu Coquinou et Coquinette. Exactement. Oui, c'est ça. Et en fait, on vous a écrit une lettre pour vous dire qu'on voulait que vous les repreniez parce qu'on en a marre des bêtises, mais vous avez pas dû comprendre en fait. Bah, écoutez ma petite âme, personne ne les veut chez eux. Ah bah je comprends. D'accord, et du coup vous nous proposez quoi alors? Je vous propose, si vous voulez, de les retransformer en peluche. Oui, tout à fait, mais comment on fait? Alors, écoutez-moi bien, vous allez les prendre délicatement, vous allez les replacer par terre. Ensuite, vous leur dites de se tenir les mains. Vous les enlacez tous les deux ensemble. Ils vont se faire un gros câlin et vous allez leur verser de la poudre magique. D'accord. Et ensuite, à leur réveil, vous allez voir, ils vont se retransformer en peluche. Ok, d'accord. Bon, bah on va essayer ça. Mais après, les peluches, on les garde? Vous les gardez? Vous faites quoi? Alors, ça madame, nous verrons si Cody a été sage. Si Cody a été sage avec ses frères, vous pourrez les garder. Ah, d'accord, ok. Bon, en tout cas, déjà, on va les retransformer et ce sera bien. Ok, donc on va faire ça. Bon, bah merci Père Noël. Merci Père Noël. Vous les enlacez et un gros câlin. D'accord. Ok, merci Père Noël, on fait ça. N'oubliez pas qu'on a tous été très sages cette année quand même. Ouais. Bon, j'y penserai. Merci Père Noël. Au revoir. Vous avez entendu ce que le Père Noël a dit? Oui. Il faut les prendre délicatement, les poser par terre, les enlacer avec un gros câlin. Okay. Et ensuite leur mettre de la poudre magique dessus, ils vont se retransformer en peluche. Ouais. On les prend délicatement. Délicatement, il a bien dit le Père Noël. Par contre, on va peut-être enlever les rubans, les trucs. Ouais, on va peut-être lui enlever la pomme de la bouche. Voilà. Ouais, aussi, enlever ça. Voilà, un gros câlin. Faut les enlacer en fait, faut les enlacer. Comme ça. Voilà, faut vraiment les enlacer. Voilà. Comme ça. C'est pas mal. Là, je pense qu'ils sont bien enlacés. Pas mal, là. Et mettre de la poudre magique. Alors attention, les enfants, poussez-vous parce qu'on va mettre de la poudre magique. Attention. Poussez-vous, les enfants, s'il vous plaît, poussez-vous. Eh bien, tu mets la poudre magique. Voilà. Je mets de la poudre magique. Vas-y, un peu de poudre. Cody, pousse-toi. Un peu de poudre magique. Allez, 3, 2, 1. C'est redevenu des peluches. Oh, ok, exactement. Mais ils ont la même position. Oh, j'adore. Non. Cody? Bah, vous allez être tranquille. Cody, regarde. Bah, là, on va être tranquille, ça y est. Ouais. Oh, c'est redevenu des peluches. Ah, bah, moi, je les préfère en peluche, hein. Ils sont plus mignons quand même. Ouais, bon, on a retrouvé Coquinou et Coquinette, mais en peluche. T'es content, Cody? Ouais. Si t'as été sage, tu vas pouvoir les garder. En fait. Ouais, en plus, t'as vu, il a dit que si t'étais sage, tu pouvais les garder. Bon, c'était une sacrée aventure, ces lutins. Bah, franchement, désolé, les amis, hein, parce que vous êtes arrivés malheureusement le matin où en fait ils se transformaient, quoi. C'était rigolo. Ouais, c'était rigolo. Je pense qu'il avait pas compris, le Père Noël, en fait, ce qu'on voulait. Mais bon Cody, t'es content, t'as retrouvé tes peluches? Ouais. Cette série de Noël est finie, on a retrouvé Coquinette et Coquinou en peluche, ouf, et apparemment ils vont plus faire de bêtises. Ouf. Donc c'est la fin. Bon, en tout cas, merci d'avoir suivi cette petite série. Merci. On vous souhaite à tous un joyeux Noël et on vous fait des gros bisous.
Mais quelle aventure, mes enfants! La Codistory en a vu de toutes les couleurs. Heureusement, tout est bien qui finit bien. Soyez sages, les enfants, et n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner. De mon côté, je vais commencer à me mettre au boulot et je vous dis à bientôt, les enfants. Oh, 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 oh.